pour aller au bout de mon discours. L'émotion est grande parce que nous sommes là, tous et toutes, rassemblés ici, à l'Assemblée nationale, autour de notre mère, Madame Henriette Conan-Bédier, ses enfants, ses petits-enfants, ainsi que des familles Bédier et Poisson. Madame Henriette Conan-Bédier, après les différents discours qui se sont succédés, je voudrais m'inscrire dans la voie de l'homme d'État, du président Henri Conan-Bédier, qui nous a appris à travers la formation que le silence est une force et que ceux qui savent ne parlent pas. Alors, je voudrais rester réservé. Comme il a souvent dit, les grandes douleurs sont muettes. Ma douleur est tellement forte et celle des Ivoiriens et de l'institution que le mutisme aujourd'hui prend toute sa place. L'homme d'État qui vient d'être décrit par les différents intervenants n'a pas besoin aujourd'hui d'être présenté. En me retrouvant ici à ce micro, je suis partagé entre le président de l'Assemblée nationale et le fils, d'autant plus qu'à la vérité, ma place aurait dû être de ce côté, à côté de vous, Madame Henriette Conan-Bédier, parce que depuis 42 ans, grâce aux enfants, j'avais été un de ses fils et je le suis resté jusqu'au départ. La Côte d'Ivoire du travail, et il a toujours rêvé d'une Côte d'Ivoire forte, forte de sa diversité, d'une Côte d'Ivoire qui obéit à l'épanouissement de son peuple. C'est pour cela que je voudrais, ensemble, que nous puissions nous lever et que nous puissions applaudir ce grand homme. Thank you.
Thank you.